bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, la Côte d'Ivoire fait ses adieux à Henri Conan Bédié. L'Assemblée nationale a rendu un dernier hommage. Le 26 mai 2024 marque la fête des mères, une journée qui leur est spécialement dédiée et pour laquelle les Ivoiriens redoublent d'ingéniosité pour offrir à leur mère le meilleur. Et en fin d'édition, la viande de porc est consommable. Après l'annonce de la résurgence de la peste porcine, nombreux se sont affolés. Bien que la peste porcine africaine ne soit pas transmissible de l'animal à l'homme, selon les syndicats. 25 ans après sa dernière prestation dans cet hémicycle ivoirien, l'ex-chef d'État est là dans une autre posture, non pour prononcer un discours, mais plutôt écouter. Dans le silence de l'après-midi, des messages à lui adresser. À tour de rôle, les présidents des groupes parlementaires PPACI, RHDP et PDCI-RDA ont salué le bilan de l'ex-chef d'État à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En tous et à toutes, je voudrais vous inviter à prier pour le repos de l'âme de celui-là même. Comme un mort-mort s'est couché. Mais c'est couché pour que l'espérance soit au rendez-vous de la génération que nous constituons, parce que son rêve, c'est la Côte d'Ivoire fraternelle, la Côte d'Ivoire sociale, la Côte d'Ivoire du travail, et il a toujours rêvé d'une Côte d'Ivoire forte, forte de sa diversité, d'une Côte d'Ivoire qui obéit à l'épanouissement de son peuple. C'est avec beaucoup d'émotions. Je perds un père, je perds un mentor. Malheureusement, il est parti, non seulement le jour de mon anniversaire, c'est marqué à jamais dans ma vie. Et je pense que le président Henri Conan Bédié nous laisse une grande leçon d'une Côte d'Ivoire victorieuse, d'une Côte d'Ivoire pour avoir comme la paix, la solidarité, l'union, le pardon. Et surtout, un développement inclusif. En tout cas, que Dieu l'accueille dans son programme Seigneur et que la terre dans le cours soit légère. Au revoir, président, au revoir, président, je t'aime, ton fils t'aime. Le ministre disparu a écrit l'un des vaillants présidents de l'Assemblée nationale. Il a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de cohésion, de fraternité, après le président de la République, son excellence, Félix Houphouët-Boigny. Il était important, en tant que parlementaire, d'être ici pour participer à cette journée. Sous sa présidence de 1981 à 1993, 321 lois ont été votées à l'Assemblée nationale. À chaque maman, son cadeau le 26 mai 2024. Comme dans bien des pays, les mères sont à l'honneur à cette date. Fleurs, parfums, bijoux ou encore de la maroquinerie, rien n'est trop beau pour nos premières dames. Maman, actuellement, elle est convalescente à Bondoukou. Mais j'ai prévu de lui rendre visite bientôt. Oui, elle aura son cadeau. Comme d'habitude, chaque année, je fais et lui offre des cadeaux. Cette année, j'ai prévu d'acheter un pain avec des bouquets de fleurs. L'origine de la fête des mères, telle qu'on la connaît, remonte à l'Antiquité. En Grèce, d'importantes festivités fleuries étaient organisées en l'honneur de la déesse Rhéa, mère de Zeus et Poséidon. Elle est apparentée à la maternité. De nos jours, cette célébration est considérée comme une occasion pour les mères de retrouver et de rester avec leur famille. Après les avertissements, place aux sanctions. Quelques heures après la suspension d'une quarantaine de coopératives, le conseil Café Cacao a réuni ses acheteurs. Rencontre visant à, une fois pour toutes, faire respecter le prix Borchamps. Il s'agit du 30 du 20h. Il doit être respecté. Il s'agit de la fraude sur le transport. Il s'agit de la fraude sur l'appel de la certification. Fixé à 1 500 francs CFA,
Le kilogramme de l'or brun doit être vendu avec une marge de 80 francs sur le papier. Mais dans les faits, certaines coopératives et acheteurs exigent 1600, voire 1800 francs CFA aux exportateurs en vue de dégager une meilleure marge. Pour ce faire, des pénuries fictives sont créées comme pour ne laisser aucun choix à ces derniers. Organiser une rencontre en vue d'endiguer ces ventes sauvages serait venu à point nommé pour certains. Dans l'ensemble, je dirais que ça s'est bien passé en bon enfant. Notre but, directeur général, c'est à eux qu'appartient du cacao de Côte d'Ivoire. Nous sommes les intervenants, les présidents des coopératives, les producteurs, tout le monde est sous la bannière de l'État. L'État, qui dit l'État, dit le conseil café de cacao. On dit merci, nous avons pu étaler nos difficultés. Ils prennent bien note. La filière café-cacao qui a fait la gloire de la Côte d'Ivoire pendant plusieurs années traverse une crise depuis la saison 2023-2024, influencée par les hausses des prix du cacao sur les marchés mondiaux. Pas de panique à avoir, la viande de porc sur le marché ivoirien est consommable. Du moins, c'est ce qu'assure l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire à la suite de l'annonce de l'existence de foyers de peste porcine africaine à Boafflé et Songo. À ce jour, après l'abattage de plus de 9000 porcs dans les zones impactées, la situation est sous contrôle. Et les services du MIRA continuent les ratissages et la désinfection des zones infectées. L'interprofession porcine a par ailleurs souligné que le virus de la peste porcine ne se transmet pas à l'homme, une réponse aux inquiétudes des populations relevées par les journalistes. Tous nos collègues qui ont été touchés nous ont donné la garantie, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le MIRA. Donc on a la garantie que nos collègues vont être indemnisés. Et si on veut que... Aujourd'hui, le gouvernement voudrait que la Côte d'Ivoire s'autosuffise en protéines animales. Donc, il n'y a pas de raison qu'on laisse les éleveurs à leur propre compte. L'activité d'élevage de porc en Côte d'Ivoire a pris de l'ampleur ces dernières années. De 2011 à 2022, la production nationale de viande de porc est passée de 8 447 tonnes à 12 680 tonnes, soit une croissance de plus de 50%.